On va prier. Il y a des personnes qui ne sont pas malades dans leur corps, mais qui sont épuisées émotionnellement. Émotionnellement, qui sont fatiguées émotionnellement, à courir derrière une requête, à courir derrière un exaucement, derrière une derrière solution. Une solution. Abra des personnes épuisées chata, de ce que... Épuisées au point d'être vulnérables. Épuisées au point de pouvoir tomber dans des travers. Parce qu'épuisées. De même que la grâce de Dieu est une source inépuisable de fortification, nous allons prier que la grâce vienne les fortifier. Que la grâce vienne les relever. Que la grâce vienne les remettre sur le droit chemin. L'asthénie est une fatigue extrême. Et quand tu es extrêmement fatigué, à n'importe quel endroit, tu peux tomber d'un point de vue physique. Mais quand tu es extrêmement fatigué, d'un point de vue émotionnel ou spirituel, tu n'as pas de lucidité pour apprécier ce qui vient devant toi. Je voudrais qu'on puisse prier pour toutes ces personnes-là qui sont fatiguées mentalement, fatiguées émotionnellement, ou les bien-aimés qui... quand je parle de cette fatigue-là, je vois beaucoup de fatigue. Je vois les fatigues liées au travail, au stress et tout ça. Je vois cette forme de fatigue. Je vois la fatigue liée à un exhaustion qui n'arrive pas. Par exemple, la fatigue de la pression mentale qu'on met à des personnes qui aspirent au mariage, qui ne sont pas mariées parce qu'elles attendent que le Seigneur leur fait grâce, mais qui sont en train tout le temps d'écouter des phrases du genre « Ah, quand tu te maries, quand fait, tu vas te marier, ton âge passe, tu n'as pas d'enfant, ça sera quoi ?» Tu vas rester vieille, ce genre de choses. Et ce sont des coups de massue sur l'âme de certaines personnes qui n'ont pas de robustesse émotionnelle. Des coups de massue qui finissent par créer une sortie de route. Voilà, quand je parle de fatigue, quelqu'un qui est très fatigué ne marche pas droit. Il tangue un jour à gauche, un jour à droite. Un jour à gauche et la personne n'a pas vraiment ses sens en fait, sa lucidité. On va prier le Seigneur pour que plusieurs soient déchargés mentalement, émotionnellement, que ces personnes soient déchargées parce que rester avec ces charges mentales, émotionnelles et tout ça, ça va faire passer à côté de l'opportunité de la grâce. On va prier le Seigneur. Ce malade sur la base duquel nous sommes en train de prier, qui a attendu la guérison au bord de la piscine pendant des années, c'est Jésus même qui est venu le soulever. C'est Jésus qui l'a fait sortir de là. C'est la grâce personnifiée qui est venue le faire sortir de là. Lui dit, prends ton lit, va à la maison. La grâce aussi vient mettre un terme aux fatigues, aux longues fatigues. La grâce vient arrêter les longues fatigues. La grâce vient faire sortir du rang. Tu étais à la millième place et puis la grâce te met à la première place. De même que Jésus est venu pour interrompre le processus ou pour entraver le processus logique. Parce que la logique voulait qu'un ange descende dans l'eau pour secouer l'eau, remuer l'eau avant que quelqu'un ne vienne le pousser pour le faire tomber dans l'eau. Tout ça là, la grâce personnifiée en la personne de Jésus a écouté ça, a écouté le process. Il est venu, il s'est arrêté, il dit, mon frère, prends ton lit, va à la maison. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, ça s'arrête maintenant, ça s'interrompt maintenant, c'est fini comme ça, ça finit ici. Alors, je voudrais parler à toutes ces personnes qui se sont senties concernées dans ce point de prière. Mettez simplement, si c'est une charge mentale, mettez la main sur la tête. Si elle est émotionnelle, mettez la main sur le cœur. Jésus est en train de mettre fin
à ce point. Et nous tous, nous allons prier en langue. Pendant que nous prions en langue, vous êtes déchargés. Levadara kusiti bradakaya. Shalamaya nduria basando kusinta. Legede berebo sukabarado sebrede. Shakita bro sukara kataya. Mayan de breshi dabaro sakaya. Regede gelos brade kayan de rebo. Makaya tabra sutaya. Shakita la baro dabala baro. Shakita braso tere de do sakaya. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Il a dit, prends ton lit et rentre chez toi. Libre au nom de Jésus, tu es. Libre au nom de Jésus, tu es. Kera kason tere kesata. Le kera dabason tariadaya. Rakatala baria barosa. Shabalabala baya brasataya. Katabarabara. Et maintenant, les poids sont en train de tomber, les fardeaux sont en train de tomber. Dans le nom de Jésus, tu commences à te sentir légère. Dans le nom de Jésus, léger, dans le nom de Jésus. Ratabra Santaya, libre, au nom puissant de Jésus, libre de tout fardeau, de tout poids, de toute charge émotionnelle, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, reçois le repos. Reçois le repos que Jésus donne. Reçois le repos que Jésus donne. Reçois-le. 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 Reçois le repos maintenant dans le nom de Jésus. Déchargé de toute charge mentale, de toute charge mentale, de toute charge mentale, de toute charge émotionnelle. Dans le nom de Jésus, à l'instant, à l'instant. À l'instant, ce poids quitte de dessus de ta tête. Dans le nom de Jésus, Jésus te décharge. Là maintenant, là maintenant, là maintenant, là maintenant, il te décharge maintenant. Il te décharge maintenant. Il te décharge à l'instant. Il te décharge à l'instant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Tu es libre, 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 libre. Au nom de Jésus, maintenant, dans le sang de l'agneau, je menace tout esprit qui s'est caché derrière cette activité pour t'oppresser, pour t'angoisser. Cet esprit, il a lâché prise maintenant. Dans le nom de Jésus, cet esprit, il a part à l'instant au nom de Jésus. Il y a une catégorie de personnes qui ont été oppressées au départ par un stress simple et maintenant qui sont assiégées par l'ennemi. La puissance de Dieu vient sur toi et tu es libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Au nom de tu es libéré par la puissance et l'autorité du nom de Jésus maintenant. Maintenant, maintenant, dans mon esprit, je vois des personnes qui vont éclater en sanglots. Et après, vont sentir cette pression-là partie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Délivré au nom de Jésus. Me tenant dans le sang de l'agneau. Je lève ma main droite. Dans le nom de Jésus. Tout esprit impur ayant pour mission de t'opprimer, de t'oppresser, de te vider de ta vigueur, derrière un motif logique, est chassé maintenant dans le nom de Jésus.
parce que la grâce vient te tenir la main. Cet esprit-là est chassé au nom de Jésus. 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 Chassé par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Il part maintenant. Il part maintenant. Il part maintenant. Je vois quelqu'un qui est très angoissé, qui a comme une grosse boule sur le cœur. Mais cette boule-là vient comme par ton estomac et tu vas commencer à vomir, 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 vomir au nom de Jésus, au nom de Jésus, à la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Maintenant, tout esprit impur qui se cache derrière cette grande fatigue émotionnelle, mentale, cet esprit impur qui est caché derrière cette fatigue émotionnelle et mentale, lâche maintenant, te lâche maintenant, lâche prise là, au nom de Jésus. À l'instant, ils s'en vont, au nom de Jésus, libérer immédiatement les vies, libérer les corps, libérer les pensées, libérer les cœurs, sortez au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus, partez au nom de Jésus, partez au nom de Jésus. Esprit d'anxiété, esprit d'angoisse, esprit de suicide, esprit de peur. Lâchez maintenant. Esprit de peur. Après, je vois dans mon esprit quelqu'un qui a tellement peur que la personne a peur de son visage dans la glace. Alléluia. C'est un esprit impur. Wow. Un esprit impur. Quand tu veux te regarder dans la glace, toi-même, tu as peur. Quand tu te vois, tu as une peur. Tu as une peur, tu ne sais pas pourquoi. Tu as peur. Au nom de Jésus, l'esprit te lâche maintenant. Oui. Parce que quand elle se regarde, cette personne se regarde dans le miroir, c'est comme si elle voit quelqu'un d'autre. Tu pars. Au nom de Jésus. Sortez dans le nom de Jésus. Esprit d'angoisse, esprit de peur, esprit de mort, anxiété, tellement anxieuse que tu ne dors pas. Ton sommeil est troublé, ton sommeil, les nuits sont difficiles. La puissance de Dieu vient sur toi, la puissance de Dieu vient sur toi. Maintenant, dans le nom de Jésus, Bonnie, tu es libre, la puissance de Dieu te libère maintenant. La grâce te tient la main. Dans le nom de Jésus, et tu es libre. Toutes les personnes soumises à la pression de ces démons, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, vous êtes libérés maintenant. C'est l'heure de la grâce. Alléluia. C'est l'heure de la grâce. L'esprit de folie te lâche dans le nom de Jésus. Il s'en va maintenant. S'en vont au nom de Jésus. La délivrance est dans la grâce aussi. La libération fait partie de la grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sortez, lâchez les vies, au nom de Jésus, sortez maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Après, je vois quelqu'un à qui on a lancé un sort à cause d'un de ses biens, à cause de son bien. C'est comme si la personne était en transaction avec quelqu'un. Et je vois la personne concernée là.
la personne qui est connectée ou dont le parent est connecté, je ne sais pas si c'est la personne même qui est connectée, je vois l'autre personne aller envoûter. C'est-à-dire, celle qui est connectée, là, elle a raison, hein, c'est elle qui a raison. Mais je vois la personne troubler son sommeil, aller faire des incantations pour la perturber, pour arracher sa paix, pour arracher sa paix. Mmh. Et depuis cette histoire-là, la personne est comme dans une, dans un trouble sans nom, dans un trouble sans nom. La personne est comme perturbée, mais ne, elle ne sait pas qu'est-ce qui la perturbe. Elle ne sait pas quel est le problème. Pendant que je suis en train de parler, au son de ma voix, il y a une décharge qui tombe sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi et vient rompre cette oppression-là maintenant. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette oppression-là est détruite dans le nom de Jésus. À l'instant, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. La puissance de Dieu descend sur toi et t'en libère. Au nom de Jésus. Et t'en libère. Dans le nom de Jésus. Et t'en libère. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Le feu de Dieu descend et venir te délivrer de ce trouble. Au nom de Jésus. Cet envoûtement est rompu par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Là où on t'avait lié par ce programme de sorcellerie, et cette chose-là est détruite. Nous invoquons le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu pour consumer. Pour consumer ce programme, je ne sais pas pourquoi j'appelle ça programme, mais dans mon esprit, c'est comme quelque chose qui est réédité, qui a une date de péremption et qui s'en va être relancé, qui a une date de péremption et qui s'en va être relancé dans le nom de Jésus. L'aboutissement de cette histoire, c'est de te rendre, de te faire piquer une crise de folie. Au nom de Jésus, cette chose est détruite. Cette chose est détruite par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Cette programmation est détruite. Au nom de Jésus. Détruite. 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 Dans le nom de Jésus. De la même manière, je me tiens dans le sang de l'agneau. Je menace toutes les personnes. Je menace tous les esprits de folie. Esprit de folie qui s'en prennent aux enfants de Dieu. Folie, dépression. Vous lâchez les vies maintenant. Sortez des pensées. Au nom de Jésus. Sortez des têtes. Sortez des pensées. Libérez les vies. Dans le nom de Jésus. Libérez les vies. Au nom puissant de Jésus. Lâchez. Lâchez. Au nom de Lâchez. Lâchez. Au nom de Lâchez. Lâchez au maintenant, nom de Jésus. Maintenant, maintenant, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Si tu sens que tu as souvent des troubles de mémoire, des choses comme ça, mets la main sur ta tête. Les bras cataillés des bros sata. Rakosi tabrada idari katakaya. Lama yando bro shata. Le kalama sokoto riakata. De besente leoski la basko riada. Radebedebe. Au nom puissant de Jésus, l'esprit te lâche maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 au nom de Jésus, tu es libéré. La puissance et l'autorité du nom de Jésus. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, au nom de Jésus, libérez maintenant, dans le nom de Jésus, libérez maintenant, au nom de Jésus. Karamaya, mets la main sur ta tête, mets la main sur ta tête. Aïssa, tu mets la main sur ta tête, au nom de Jésus, tu es libre. Perle, tu es libre dans le nom de Jésus, à l'instant. À la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Fallon, tu es libre. Cet esprit dégage. Il dégage, il dégage, il dégage, il dégage. Au nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Au nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Jannick, tu es libre dans le nom de Jésus.
Tu es libre dans le nom de Jésus. Tu es libre par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Tu es libre. Sandy, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Toute forme d'oppression sur ta vie est brisée. Christine, libre au nom de Jésus. Nadège, tu es libre par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Il en est ainsi. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Marakasataya. Dans le nom de Jésus. Tu es déchargé. 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 Déchargé, déchargé par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Déchargé par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Déchargé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Le barakasataya. Pendant que nous continuons la puissance de Dieu en train de délivrer, la puissance de Dieu est en train de délivrer. Rikata la baraba shinda liya barada sin kata la baraba baraba shataya brenda shadaba la vermeil la méchitate rikata la baraba shidigidigi au nom de Jésus, faveur du Canada, dans le nom de Jésus, tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus, tu es libre. Tu es libre. La puissance de Dieu à l'œuvre, plusieurs sont en train d'être délivrés. Délivrés, délivrés de la puissance du malin. Délivré par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes délivré de la puissance du malin. Délivré de la puissance du malin. Délivré de la puissance du malin. Dans le nom de Jésus, maintenant. Maintenant. Maintenant, il en est ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que tu es déchargé, on va prier pour que tu sois revigoré. Revigoré. Révigorer toutes les personnes déchargées pour recevoir la force dans le nom de Jésus. La force que le Seigneur donne au nom de Jésus. La force, la force, la force divine dans le nom de Jésus. Sois rechargé par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Sois rechargé par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, 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 et l'autorité du nom de Jésus. Le Seigneur te restaure, il te relève, il te restaure, il te relève, dans le nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Alléluia. Mets la main sur ta poitrine, Déborah. Pose la main sur ta poitrine. Dans le nom puissant de Jésus, tu es libre. Tu es libre. Cette boule remonte et sort par ta bouche. Au nom de Jésus. Maintenant, au son de ma voix. Parce que ce n'est pas ma voix qui est entendue, mais la voix de Jésus qui vit en moi. Cette oppression s'arrête maintenant. Maintenant, à l'instant. Elle s'arrête à l'instant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, et tu es libre, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
Tu es affranchi, délivré totalement au nom de Jésus. Les esprits d'oppression te quittent. Et ça aussi, c'est la grâce de la délivrance te localise, elle t'a localisé au nom de Jésus. Ces oppressions partent maintenant, 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 au nom de Jésus. Ces oppressions qui te donnaient un rythme cardiaque irrégulier, des palpitations, dans le nom de Jésus, te quittent. Cette peur causée par des démons et qui faisait, comme Pasteur Prisca disait, que tu n'arrives pas à te regarder toi-même, tu n'arrivais pas à te regarder dans le miroir. Ils sont partis au nom de Jésus à cause de la grâce, à cause du sang de la grâce. Christ t'a affranchi. Il est écrit, si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et Christ t'a affranchi parce que tu es venu à lui, tu as couru à lui. Au travers de ce temps de grâce, ce temps d'effusion de grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Shebarabadabada, Rekatala Barabasunta, Rikatala Barasunta, Rabaye, Rabalo si Barande, Shadabrakinta, Rabababa, Shedege, dans le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia.